Bonjour Mathieu Dussault, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on va s'ouvrir un coffret de Rirurem blanc. Rirurem. C'est un nom compliqué pour moi. Du coup, voilà, ici normal et là le blanc, si j'ai bien compris. Voilà. Parce que moi il n'y a pas très longtemps que je fais les Pokémon. Pour faire plaisir à monsieur. Du coup j'apprends en même temps. Bien sûr, il va pas vouloir. Ah, ça y est. Sortir. Hop, le voilà, le beau coffret. Avec une carte. Enfin, un booster qui s'est enfui. Du coup, je vous montre l'arrière, comme ceci. Très beau aussi. Et c'est parti. On ouvre ça. Hop. Hop. Voilà. Sort. Du beau coffret. Je le balance, c'est normal que vous entendiez le bruit. Je le balance dans mon fauteuil. Alors, on commence tout de suite avec la Rirurem blanc. Rirurem blanc, qui est là. Voilà. Qui est super pensé là. J'aime bien le truc qu'il met. Et en holographique. Rirurem normal. Voilà. Oh, ce n'est pas grave. Je vous montre le petit jeton. J'espère que je suis bien dans le cadre. Il est très beau, je trouve. Il est un peu brillant, donc il a du mal à faire le focus. Et voilà, le petit qui aurait puis bien. Voilà la grande super carte. Trop jolie. Dans le cadre, c'est mieux. Tu es dedans? Maintenant, oui. Très jolie, cette carte. En plus, avec le... Il est un peu... très joli. C'est des full art. Et on a 5 boosters à s'ouvrir. Un petit côte. Voilà. Je passe ça. Du coup, je vous montre les boosters. J'espère que je suis dans le cadre. Attends 2 secondes et tout sera. Voilà. Alors, il y a Dratak, Reshiram, Dracaufeu, Reshiram et Dracolos. Et ces deux-là, j'ai envie de les garder en dernier. Je sais pas pourquoi, il va nous... il va avoir des bons aides. Allez, on est parti. Pour le premier booster, je vous montre le derrière, comme ça vous pouvez lire. Je sais bien qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les descriptions. Voilà, ça vous pouvez faire pause. Et on commence tout de suite avec le premier booster. Bon, tu vas t'ouvrir, petit booster. Voilà, bien sûr, tu ne vas pas t'ouvrir, hein. Est-ce que c'est parce que...